Alors, bienvenue à tout le monde. Béni sois-tu au Seigneur, notre Dieu, qui nous a donné la chance d'avoir la parole de Dieu, la Bible, pour avoir la vie éternelle au milieu de nous. Béni sois-tu au Seigneur qui nous donne les Écritures. Encore une fois, Aksamea, bonne fête. Aujourd'hui, on célèbre la première des fêtes d'automne d'Israël, la fête des trompettes, Yom Teruah, qu'on appelait aussi Rosh Hashanah. Quelle meilleure façon de commencer l'automne en commémorant les fêtes de l'Éternel, les fêtes qui restent à fêter. Et ça parle aujourd'hui d'un sabbat, d'un repos et de joie. Dans les Écritures, on appelle ça Hag, la fête, qui veut dire danser. Aujourd'hui, la fête s'appelle Shabbaton Zikaron Teruah, qui veut dire un grand repos et une acclamation en mémoire de la parole de Dieu et de se rappeler aussi que le Seigneur peut arriver en tout temps. Selon le calendrier biblique, cette fête commence le 15 septembre et va se terminer après la tombée du jour le 17 septembre, donc dimanche. Rappelons-nous, dans la Bible, la journée commence le soir et donc aujourd'hui, nous sommes la fête de la Yom Teruah. Personnellement, ça me rappelle quand j'étais jeune dans la synagogue, dans les rues de Casablanca où je suis né, où l'atmosphère tout à coup changeait parce que les Juifs et même les musulmans partageaient ensemble à ce moment-là, vivaient côte à côte et vivaient en harmonie et partageaient leurs célébrations, partageaient leur mets, leur repas ce jour-là. Vous savez, aujourd'hui, je porte un talit, parce que pour une fête, souvent je porte ce vêtement. Le talit, qui est un vêtement de prière, c'est qu'il y a des franges au bout de ça. Et l'origine des franges, qu'on appelle en hébreu les titites, c'est dans Nombre 15, verset 39. Dieu dit qu'afin que les gens se regardent, et se souviennent de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Donc, la présence de ce talit sur la personne rappelle aussi que la parole de Dieu est le lien entre le ciel et la terre. Bien, les franges, au début, étaient de bleu, une belle couleur, de bleu, mais au début, ça venait d'un verre qui s'appelle le teklet, qui était très bleu. Mais ça prenait comme 12 000 verres comme ça pour faire juste 1,4 grammes de cette teinture. Et donc, au premier siècle, ça a été remplacé par la couleur blanche. Mais quand on regarde, ça nous rappelle que Jésus portait lui-même un talit comme ça, avec des franges, parce que c'est ce qui était commandé dans la loi. Et Jésus, on sait qu'il a suivi la loi. Rappelez-vous la femme qui était malade depuis 12 ans, dans Matthieu 9, 21, qui s'était dit, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors qu'elle a touché seulement les franges du vêtements de Jésus, elle a été sauvée. Le Yom Teruah, ça nous rappelle qu'on peut être avec lui à n'importe quel moment. C'est ce qu'on va apprendre au sujet de cette fête aujourd'hui. Quand on regarde les fêtes d'Israël, c'est pourquoi que les Juifs et les non-Juifs célèbrent une fête qui a été donnée plus de 3500 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fête pour nous aujourd'hui? Bien, c'est Jésus, sa vie, son œuvre et le fait qu'il revient bientôt. Toutes ces choses sont écrites dans les fêtes d'Israël et ensemble, ça fait comme une magnifique tapisserie de l'histoire de la rédemption. Regardez, si on voit l'image en avant, c'est séparé en plusieurs
Je m'excuse, je manque de son. Alors, les sacrifices, les premiers parlent de le printemps, parlent de la première venue de Jésus. Le Messie, durant l'automne, parle dans le fond de la deuxième venue du Messie. Parce qu'on parle des fêtes, ensuite, après la Pâque, si on commence avec la Pâque, il y a le sacrifice de l'agneau qui protégeait chaque maison juive qui avait fait ça, de mettre le sang sur leur porte, donc le jugement n'est pas tombé sur eux. Ensuite, on a la fête des pains sans levain qui parle de la sainteté du Messie, qui était sans péché. Et ensuite, on a la fête des premiers fruits, des prémices, qui suit exactement la mort du Messie. Et ici, ça parle cette fête de résurrection. Ensuite, on a la fête de la Pentecôte, qui symbolise la naissance de l'Église, le corps du Seigneur. La Pentecôte, c'est là que l'Église a été créée. L'Église est faite de Juifs et de non-Juifs. Nouvelle chose pour l'adoration qui était cachée dans les temps, mais qui maintenant, avec l'Église, a été déclarée à tout le monde. Ensuite, on commence les fêtes de l'automne qui amènent à la seconde venue de Christ. Et ça commence avec la fête des trompettes qu'on a aujourd'hui pour annoncer que la fin des temps est vraiment enclenchée. Et en même temps, la rédemption physique des croyants. Ensuite, il y aura le Yom Kippour, le jour du pardon, qui, à ce moment-là, tous les prophéties du livre de l'Apocalypse et ceux des prophètes des Écritures arrivent à l'accomplissement. Et tout de suite après, il y a la grande fête de Sukkot, ou la fête des tabernacles, qui représente les temps messianiques ou le millénium. Donc, on voit que quand on met toutes ces fêtes ensemble, on a beaucoup de jours à célébrer quand on est un juif, puis on fête aussi les fêtes du monde en général. On a beaucoup de fêtes. Le Seigneur est vraiment bon et il nous donne plusieurs occasions de se réjouir en lui, bien sûr. Donc, on a beaucoup de congés et on en profite pour louer le Seigneur à travers ça. Bien, on va regarder le Yom Teruah dans les fêtes de l'Éternel dans le Lévitique 23 et on va lire les versets 23 à 25. Ça va peut-être vous surprendre combien il y a peu d'informations, mais c'est une partie du message qu'il faut découvrir. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Donc, on voit qu'il y a comme un aura de mystère sur cette fête, parce qu'il y a juste trois petits versets et c'est tout. C'est la seule information qui nous est donnée au sujet de cette fête et c'est pas beaucoup. Nombre chapitre 29 parle aussi de la fête des trompettes, mais seulement pour nous donner une liste des offrandes de toutes sortes qu'il fallait faire ce jour-là en particulier. Donc, quand on regarde ce texte-là, on nous dit de Yom HaZikaron, donc se rappeler, mais on ne nous dit pas se rappeler de quoi ou de s'attendre à quoi qui va arriver. On lit dans le texte que c'est un jour qui sonnait les trompettes. Au son des trompettes, qu'il y aura une sainte convocation. Mais pourquoi les Israélites sont supposés sonner la trompette? Pour quelle occasion exactement? Le texte ne nous dit pas. Ibn Ezra, un commentateur du 12e siècle, parlait des mystères religieux quand il parlait de cette fête. Abarbanel, au 15e siècle, s'est posé la question, pourquoi est-ce que la Torah n'explique pas le but de cette fête? Qu'on voit aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un énigme parce que cette fête n'a pas de raison, on ne nous donne pas de détails de cette sainte convocation. Mais la réponse se trouve dans le Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament. Et il y a tellement d'informations que plusieurs traditions, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, il y a beaucoup de traditions
et d'ajouts qui se sont développés dans le judaïsme pour remplir ce vide. Donc, une tradition très surprenante, c'est que ce jour est appelé le début de l'année pour les Juifs. Mais selon, ça tombe au septième mois et non le premier mois. Donc, comment ça se fait que c'est la première fête? Parce qu'ils ont développé cette fête de Rosh Hashanah en disant que c'est pour eux la nouvelle année. Parce que vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations, donc ils ont mis le début de l'année là. Mais dans la Bible, le début de l'année, c'est au printemps. C'est avec la Pâque que l'histoire biblique commence. Quand j'ai cru la première fois en Jésus, puis j'ai trouvé que cette vérité au sujet du Rosh Hashanah, que c'était pas le début de l'année vraiment selon la Bible, c'était, j'étais comme un, vous savez, un taureau qui fonce sur un petit bout de couverte qu'on bouge. Mais vous savez, un taureau, ça voit pas vraiment les couleurs. Donc c'est pas à cause que c'est rouge que le taureau fonce, mais à cause de la manière que on fait bouger la couverte. Donc Rosh Hashanah est un endroit où on peut voir d'abord une grande différence entre le judaïsme des rabbins et le judaïsme selon la Bible. Parce que quand on voit les titres des gens, des juifs en général, beaucoup se demandent comment ça se fait que ça ne concorde pas. Parce qu'ils ont choisi de changer leur date, de ne pas suivre la Bible, l'Ancien Testament. Et on voit que même les juifs qui sont souvent en train de poser des questions et pas être d'accord bien des choses, bien, ils en sont venus à changer ce que les Écritures enseignent pour s'en aller vers leur propre tradition. C'est là qu'on voit le pouvoir de la religion. Vous savez, dans même la plupart des communautés qu'on dit messianiques, souvent ils suivent encore les traditions qui sont écrites dans la Bible. Mais le vrai judaïsme se définit par ce qui est écrit dans les Écritures et ce que Dieu en pense et non pas ce que les hommes en font comme tradition. Parce que c'est ce qui est arrivé, vous savez, ils se fiaient à ce que les rabbins leur avaient dit. C'est pour ça que Jésus a dit souvent, « Vous avez entendu que, mais moi je vous dis que, voyez-vous. » Alors, pour enlever leur tradition, qui n'est pas quelque chose de facile dans la tête de n'importe qui, et nos traditions nous empêchent de voir la vérité. Pas le même parler qu'il y a des gens qui vont arriver avec un autre Jésus ou un autre esprit ou un autre évangile, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Mais le vrai christianisme et le vrai judaïsme, les deux se retrouvent dans les Écritures. Les traditions sont bonnes en autant qu'ils ne viennent pas obscurcir et remplacer et cacher la parole de Dieu. Et on va voir les fêtes, comment ça va nous parler aujourd'hui. On dirait que même si j'en parle à chaque année, on dirait que le message nous amène toujours quelque chose de nouveau avec ce que nous vivons. Ce que nous voyons dans le monde également, ça nous donne l'idée que ça va arriver bientôt, que le Seigneur revient bientôt. Et on voit que le mystère, la réponse au mystère se retrouve dans le Nouveau Testament. Mais il y a un mot qui va ressortir au verset 24 qu'on a lu. Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Voyez-vous, au son des trompettes, c'est en hébreu, c'est Yom Teruah. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le jour. Les trompettes, c'est Teruah. Et le jour des trompettes, c'est le Yom Teruah. Donc, c'est comme un grand cri, c'est comme une alarme qui était pour avertir les gens qu'il y a l'ennemi qui arrivait ou quelque chose, une guerre qui se déclarait ou un grand feu ou quelque chose de grave. Alors on sonnait à ce moment-là le teruah, les trompettes.
Dans Ézéchiel, ce mot est traduit le cri de la bataille, le cri lorsqu'on attaque. Donc, on va aller voir où est-ce que c'est placé cette fête dans la charte des fêtes de l'Éternel. C'est la première qui déclenche la fin des temps, comme on voit ici sur l'écran en avant, qui parle d'un temps de jugement qui va tomber sur la terre et où est-ce que toutes les guerres qui ont été prophétisées de Gog et Magog, puis Armageddon, etc. Donc, le son des trompettes durant le Yom Teruah, c'est un appel pour se réveiller et un appel pour dire que la fin des temps commence de façon vraiment précise et sérieuse, là. Donc, c'est aussi un texte qui nous parle de l'enlèvement, un enseignement que Paul nous a amené dans deux livres dont il nous a parlé de l'enlèvement. Ici, on trouve des mystères qui sont révélés. Un mystère, et dans le fond, c'est quelque chose qui n'est révélé maintenant dans le Nouveau Testament. Donc, ce n'est plus un mystère. Ça a été révélé par l'apôtre Paul que Dieu lui a donné ce message pour nous. Donc, regardez ici le premier passage qui nous fait, qui nous révèle le mystère. C'est dans le chapitre qu'on appelle le chapitre de la résurrection, 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Paul dit, voici, je vous dis un mystère. C'est le mystère qui était révélé de Lévitique 23 au sujet de la raison de la trompette et le zicharon. Je continue le texte de Paul. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Le mystère n'est pas que les croyants vont ressusciter, parce que cela a été prophétisé bien avant dans les Écritures. Mais le mystère est que le moment de cette résurrection s'est placé exactement avant la tribulation, pendant que les croyants dans le Seigneur qui sont morts vont à ce moment-là ressusciter. Et avec les croyants qui sont sur terre à ce temps-là, tous les deux seront enlevés et vers le Seigneur qui s'appelle l'événement de l'enlèvement. En un instant, en un clin d'œil. Donc, c'est un moment qui va arriver et ça fait longtemps que je l'attends personnellement, mais on sait qu'un jour, Dieu va nous ramener de cette façon-là. 1 Thessaloniciens 4 l'explique. Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne nous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc, on voit que Paul est en train d'expliquer quelque chose, parce que toujours on se demandait qu'est-ce qui va arriver avec ceux qui sont morts dans le Seigneur. Et là, Paul dit que le mystère qui est révélé, c'est que les deux, les gens qui sont morts et qui vont ressusciter, et ceux qui sont vivants à ce moment-là, vont être enlevés, dans le ciel avec le Seigneur. Donc, c'est une nouvelle révélation que Dieu a donnée à Paul pour révéler, le mystère. Et il dit, ceux qui étaient dans le Seigneur et qui sont morts, mais que, tu sais, leurs âmes sont au ciel, mais leurs corps seront ressuscités. Ils seront renouvelés, faits de nouveau. Et il dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. On va rejoindre ces gens-là. Donc, c'est quelque chose qui n'a jamais été expérimenté auparavant. C'est une nouvelle chose qui n'est pas arrivée. Ça pourrait être très bien dans notre génération actuelle que ça arrive. Avec tous les événements qu'on voit à travers le monde, on a l'impression que Dieu est vraiment proche.
Versets 16 et 18. « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Premièrement, on voit l'appel, qui est un signal, un commandement, habituellement, qui est donné par le Seigneur, qu'il est prêt, finalement, à venir rencontrer son épouse dans les airs. Donc, c'est un signal, c'est un cri, comme quand Jésus a dit « Lazare, sort » dans Jean 11, 43. Et Lazare est sorti de la mort, dans le fond, a été ressuscité. Parce qu'une chance qu'il a dit son nom, s'il avait juste dit que les morts sortent, il y aurait bien des morts qui seraient sortis. Mais ça, c'était spécifiquement pour Lazare à ce moment-là. Donc, deuxièmement, à la voix d'un archange. Peut-être pour alerter le monde angélique que bientôt l'épouse du Seigneur se prépare à entrer au ciel. Troisièmement, on parle de la trompette de Dieu. Pas la trompette des anges comme on voit dans l'Apocalypse, souvent les trompettes. Ça, c'est des trompettes pour les jugements. Cette trompette-ci est celle de Dieu lui-même qui appelle les siens avant le grand jugement de la tribulation qui va s'abattre sur la terre. Donc, c'est la trompette pour le corps du Seigneur. Et il y a une autre trompette aussi. Donc, il y a la trompette pour l'Église, mais il y en a une autre pour Israël, celle au moins qu'on parle dans Zacharie 9, verset 14. « Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. » Ce sont les trompettes de Dieu. Et au verset 17, le texte dit « Nous, les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc, on voit... C'est le « nous, les vivants ». Le mot vient vient du latin qui veut dire « être enlevé dans les airs ». Et c'est le mot « enlèvement » est venu qu'à décrire cette doctrine biblique. Et comment allons-nous voyager dans le ciel? Le texte dit « à travers une nuée ». Bien, il y a plusieurs genres de nuages. On dirait que c'est comme un vaisseau spatial. Mais ça doit être un des nuages quand on voit que le Seigneur est souvent, dans Exode, qu'on voit 40, verset 34, quand le Seigneur couvrait la tente de rencontre du tabernacle, il y avait un nuage, une nuée qui couvrait et qui était la gloire de l'Éternel. Donc, et nous serons à la rencontre du Seigneur, et nous serons toujours avec lui dans les airs. Paul nous dit que nous devons en parler. Il dit de se réconforter un l'autre avec ces mots-là, en sachant que cette vie, c'est court, et il y a une éternité qui commence bientôt. Et on n'aura plus la présence, le problème du péché lorsque nous serons au ciel. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous croyez dans l'enlèvement? Imaginez-vous que vous vivez dans le jour de Noé et Noé vous dit, bien, bientôt, il va avoir un déluge. Et là, il construit un grand bateau, un arche. Est-ce que vous auriez pensé qu'il était fou de construire un bateau? Surtout, rappelez-vous qu'il n'y avait pas encore plu sur la terre à ce moment-là. C'était comme une condensation avant que s'abatte justement la pluie pendant 40 jours ou 40 nuits. Donc, est-ce qu'on aurait vu Noé, est-ce qu'on serait dit qu'il est un peu fou? Ça a pris 70 ans à peu près à le construire. Donc, personne ne pouvait dire qu'il n'était pas au courant. Mais encore quelque chose d'encore plus fort au sujet de Noé. Ce que Jésus lui-même utilise la vie de Noé pour prophétiser la fin des temps. Matthieu 24. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour
où Noé entra dans l'arche et ne se douta de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, c'est dit dans les jours qui précédèrent le déluge. Donc, c'est ce qui arriva du temps de Noé. Donc, on voit que ça va être pas exactement pareil, mais ça dit que ça ressemblera de même, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pardon. Donc, on voit que ça va arriver comme ça avait été prédit. Qu'est-ce que les gens faisaient durant que Noé construisait son bateau depuis plus de 70 ans? Bien, les gens continuaient à faire comme avant. Ils travaillaient, ils achetaient des choses, ils se mariaient, ils faisaient la fête. Ils faisaient comme si tout ça n'existait pas. Et comme c'est ce que l'Antichrist arrivera à faire croire aux gens, que les gens sont arrivés à une espèce de paix, à une espèce de nirvana, que tout le monde serait heureux, tout le monde irait bien, tout le monde serait riche. Mais c'est comme dans les jours de Noé. L'enlèvement arrivera comme par surprise. Il y en a qui disent aujourd'hui, ça c'était une ancienne façon de croire des choses comme ça. Ou on va dire que l'enlèvement s'est inventé par un homme appelé Darby. Il y a un monsieur qui a écrit dans les années 1700, un monsieur Manuel Lacunza. Il a fait revivre la doctrine de l'enlèvement qui avait un peu disparu, et aussi la vie d'Israël, que les nations juives vont commencer à écouter les prophéties et que l'enlèvement va arriver avant la tribulation. Il a écrit un livre, malgré que le pape de l'époque n'aimait pas beaucoup ça, mais il a été obligé de se sauver en Italie. Il a écrit un livre en anglais, s'appelle « The Coming of Messiah in Glory and Majesty », donc la venue du Messie en gloire et en majesté, qui est toujours en vente à Amazon. Je ne suis pas sûr qu'il est en français, par contre. Donc, l'enlèvement, même si ça a l'air fou un peu de comment ça pourrait arriver, ça semble aussi fou que l'Arche de Noé, qui avait pour plusieurs aucun bon sens de construire, vu qu'il n'avait pas mouillé avant que le jugement tombe. Donc, on voit que si les prophéties qui ont été ravivées par Darby et d'autres, ça veut dire que les Juifs sont commencés à partir des années 1800, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale encore plus, et leur pays qu'ils ont acquis en 1948, ils ont été reconnus comme nation. On voit que de plus en plus de Juifs retournent dans le pays. Et peut-être que c'est un réveil qui est en train d'arriver au niveau de la nation. Ça ne dit pas qu'ils sont tous chrétiens, sauvés, croyants, mais il y a quelque chose qui se passe, que les gens retournent. Aujourd'hui, comme ça a été prophétisé, beaucoup sont revenus à des anciennes façons de comprendre les prophéties, mais même des fois, ils n'enseignent même plus, parce que disant que c'est trop littéral ou que ça crée des problèmes dans l'Église. Mais on voit que le son de la trompette dans notre texte va sonner clairement. Et on voit qu'on dirait qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est comme si Dieu est en train de nous avertir, comme nous sonner de la trompette pour qu'on se réveille, parce qu'il revient bientôt. Et là, on a des menaces de guerre nucléaire, d'autres guerres, vous savez tout ce qui se passe dans la nature, des endroits où il fait trop chaud, trop froid, trop d'eau, tout est en train, les feux, tout est en train d'arriver. Donc, on voit, il y a tellement de gens. Et quand on va maintenant porter la bonne nouvelle, il y a beaucoup de Juifs, bien sûr, et de non-Juifs qui veulent avoir les Écritures. Donc, c'est dans les derniers, depuis les années qu'on fait ça, on n'a jamais vu autant de gens venir à vouloir justement un Ancien Testament et même un Nouveau Testament. Un autre verset au sujet du concept de l'enlèvement.
Il y a un autre endroit que Jésus compare à un autre endroit, à un moment de l'histoire avec le temps de la fin. Matthieu 24, 37, Jésus dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Qu'est-ce qui est arrivé au temps de... Il ajoute dans Luc 17, 28, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. » Qu'est-ce qui était l'environnement dans les jours de Lot? Bien, le monde était complètement dans le péché. Rappelez-vous, les gens voulaient coucher avec les vieillards, et ils voulaient coucher avec les anges qui étaient là, les vieillards jusqu'aux plus jeunes dans la ville. C'était rendu le péché, c'était rendu partout. Genèse 19, 22, l'ange dit à Lot, « Hâte-toi de t'y réfugier dans telle ville, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. » Donc, Lot, Pierre nous dit que Lot était un croyant. Et il y avait un jugement qui était pour tomber sur la terre, spécifiquement sur la ville de Lot, de Sodome et Gomorre. Mais l'ange dit qu'il ne peut rien faire tant que lui n'est pas parti de là. Et c'est un peu le concept, exactement, l'image de l'enlèvement. Que nous ne sommes pas destinés, nous les croyants, à la colère, mais à l'amour de Dieu, que Dieu a sauvé. Donc, notre idée, c'est qu'on ne passera pas à travers la tribulation, parce que notre tribulation, notre jugement est tombé sur Jésus. Et nous avons cru, donc nous n'avons pas besoin de passer à travers ce temps de jugement. Et on voit aussi que dans la fête des trompettes, l'aspect pratique, c'est comment on peut se préparer, nous, à faire face à la fin des temps. Et on voit le réveil qu'il y a eu à un moment donné durant justement une des fêtes des trompettes. C'est dans le livre de Néhémie, chapitre 8, lorsque 50 000 Juifs et plus sont revenus de Babylone pour reconstruire Jérusalem et un temple qui, en fait, préparait la première venue du Seigneur. Et plusieurs ont demeuré en Babylone jusqu'à même récemment. Mais la situation avec Néhémie, on va aller voir qu'est-ce que le texte nous dit, versets 1 et 2, pour voir qu'il était venu à oublier ce qu'il y avait dans la Bible. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composé d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. C'était quand? C'est le premier jour du septième mois, c'est Yom Teruah, comme aujourd'hui. C'est exactement la journée comme aujourd'hui qu'ils ont dit à Esdras d'amener le livre de Dieu et de commencer à lire aux gens. Et il a commencé à le lire du matin au soir. Donc, ils ont lu pendant 5 heures facilement, sans arrêt. Et leur réaction, qui est la plus touchante, c'est comme s'ils ont été touchés par une grâce spéciale. Ils ont tous commencé à pleurer. Le texte dit, « Néhémie, le gouverneur Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dire à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en attendant les paroles de la loi. Pourquoi pensez-vous qu'ils pleuraient? Bien, ils pleuraient par rapport à leur péché, parce que l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, les convainquait de péché dans leur cœur. Ils pleuraient aussi sûrement de joie d'avoir redécouvert la parole de Dieu et la bonté de Dieu qui est écrite partout dans son livre. Donc, ce qui suit est un grand réveil. Quand on est rendu au chapitre 13, ils ont nettoyé leur vie, ils se sont éloignés des idoles et la façon de vivre et le Seigneur a versé de grandes bénédictions sur eux. Donc, tout ça est arrivé, la fête du Yom Teruah, mais c'est ma prière que ça va nous arriver à nous, un tel réveil, et tous les croyants autour du monde aussi. C'est mon souhait et ma prière.
Et pour terminer, quand les gens ont découvert la parole de Dieu, dans Néhémie, au verset 4, on nous dit qu'il y avait 14 hommes à côté d'Esdras, 6 à sa gauche et 7 à sa droite. Et la Bible nous dit les noms de tous ces gens-là. Je vais lire le verset, ce qu'il dit, le verset lui-même. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaya, Uria, Ilkia et Maaseya. Et à sa gauche, Pedaya, Michaël, Malkidja, Hashum, Ashabadana, Zacharie et Meshulam. Quand je lis les versets, on se dit, bon, c'est beau les noms, c'est des noms de Lévites, des noms hébreux, on n'a aucune idée qui ils sont. Mais pourquoi on nous donne ces noms? Bien, quand, au verset 7 aussi, il y a 13 autres noms qu'ils nous ont donnés. Et c'était d'autres Lévites qui étaient parmi le peuple, qui expliquaient ce que la parole disait. Et là, qu'on a une belle surprise, c'est lorsqu'on met ces noms-là en hébreu, on les met en anglais. On voit les noms de Dieu. Je relis le texte, mais en traduisant leurs noms. Et à côté d'Esdras se tenait le cadeau de Dieu, la voix de Dieu, Dieu qui répond, Dieu est ma lumière, Dieu est ma portion, l'accomplissement de Dieu, Dieu préserve, qui est comme Dieu? Mon roi est Dieu, celui qui brille, le sage, celui dont Dieu se souvient, l'ami de Dieu. Donc c'est le message d'une grande joie, même dans leur nom. On continue le verset 7. Le salut, je traduis les noms qui sont dans le texte. Le salut, celui qui construit, celui qui brûle pour Dieu, celui de sa main droite, le combattant, celui qui se repose, celui qui loue, celui qui travaille pour Dieu, le vif d'esprit, celui que Dieu soutient, celui dont Dieu se souvient, le gracieux que Dieu met à part. Donc c'est comme ça que ça sonnait pour eux, parce que c'était leur nom. Et par ces gens-là, on voit, ils venaient sûrement de Babylone. Donc, c'est un reste de Babylone. Et ils comprenaient que c'était la fin des temps que Jérémie avait dit que le Seigneur les délivrerait au bout de 70 ans. Donc, ils ont tout mis ça ensemble. Ils ont compris que c'était un grand moment. Et l'Esprit-Saint s'est arrangé pour que leur nom, qui a une grande signification encourageante, se retrouve dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la fête, et on peut la déclarer de plus en plus fort et avec foi. Amen. Prions. Let's bow our head in prayer. And so, Lord, in this day of Yom Teruah, we ask that you listen to the prayers of your people and to bless, especially in these times. And we say with Nehemiah, who pronounced these words, on this day, some 2,500 years ago, oh, may your glorious name be blessed and exalted above all blessings and praise. You alone are the Lord. You have made the heaven of the heavens with all their hosts, the earth and all that is in it, the seas and all that is in them. You give life to all of them, and the heaven's host bows before you. Now, therefore, our God, the great, the mighty, the awesome God, who keeps covenant and loving kindness, bless each and everyone present here, Lord. And those who are listening, and let this season be one of revival so that we can proclaim your word even louder. B'Shem Yeshua Mashiach. Amen and amen. Oh, Jerusalem.